Yo les Trashers, bienvenue dans ce nouveau let's play sur Pokémon Uranium. Pokémon Uranium est un jeu fabriqué par les fans, pour les fans. Développé pendant 9 longues années, il propose 150 nouveaux Pokémon, une histoire épique dans la région de Tandor et une difficulté très relevée. Avec Fildrong, c'est moi, et son calme légendaire, partez à l'aventure dans ce nouveau let's play interactif. Chaque semaine, vous pourrez voter pour des défis que je devrais relever dans l'épisode suivant. C'est vous qui décidez. Alors n'hésitez plus et embarquez. Yo les Trashers, salut à tous, c'est Fildrong. Bienvenue dans ce premier épisode de Pokémon Uranium. Ça fait vachement plaisir d'être de nouveau sur Pokémon Trash pour faire un let's play avec le succès de Pokémon Insurgence. Vous avez été tellement nombreux à me demander de faire Pokémon Uranium. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur, donc merci beaucoup les mecs. On se retrouve donc sur Pokémon Uranium, hein. Vous avez vu le teaser, c'est complètement fou comme jeu, des fangames les plus aboutis qui ont été jamais faits sur Pokémon. Et on va partir du coup tout de suite. Qui est-ce? Ah, bonjour! Bienvenue dans le monde de Pokémon. Ah, oh, pff. Non! Mon nom est Bambo. Quoi ce mec? Eh, hey, tu peux m'appeler le professeur Pokémon. Tu es l'enfant qui veut un job. Oui, c'est moi. T'as ton 1. Hein, j'ai pas besoin d'infos. Ton look est vraiment dégueulasse. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Nous, les humains, nous partageons ce monde avec les Pokémon. Oui, je sais. Ah, les Pokémon ont des pouvoirs et beaucoup d'intelligence. On dit ça. Je disais ça de mon chat aussi. Mon chat est intelligent. En fait, il voulait juste bouffer, mais... Allez. Ah. Oh. Elle a l'air complètement gogole, elle louche. Quel est mon nom? Je m'appelle Fifou. Évidemment, toujours. Hein. Ton nom est Fifou, bien sûr. Tout le monde sait que je m'appelle Fifou. Allez, c'est parti. Oui, oui, oui. Allez. On va faire plein de découvertes, ça va être bien. Bravo. Il y a 10 ans, la famille de Fifou vivait dans la ville de Bill Beach, la plus grande cité de Tandor. Leur père, Kellyn, était un Pokémon Ranger qui avait perdu son œil. Leur mère se teignait les cheveux en vert. La famille souffrait beaucoup de ses cheveux verts. Car une mère avec les cheveux verts, c'est quand même assez chaud. Hein. Faut se ranger au bout d'un moment, les mecs. Malgré le fait qu'ils avaient des travaux très difficiles, ils avaient du temps pour Fifou. Ah, c'est mignon! La région de Tandor était en paix. Et la compagnie de Lucille était en train de travailler sur une forme d'énergie propre qui changerait le monde! Le futur semblait parfait. Jusqu'à ce que... C'était un jour ordinaire. Oh non! Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris un spécialiste. Oh. Bonjour, j'ai les cheveux verts. Cameron, as-tu fini tes diagnostics? Oui, tout semble de fonctionner bien. Super, excellent. Allez, on peut aller manger. Oh mon dieu. Boss, tu devrais venir voir ça. Étrange. La température est très haute. Oh putain, ça va créer un Superman. Oh là là là, il faut qu'on resette le thermomètre ou... Oh mon dieu, y a trop de chaleur, vite! Vite! Qu'est-ce qui se passe? Non, ça peut pas être le radiateur. Oh mon dieu, non, 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 non! Lucille, non, maman! Oh mon dieu. Lucille! Tu dois partir! Non, je vais me sacrifier pour mon enfant! Lucille, non! Je dois sauver le monde! Non. Tout le monde s'est échappé, sauf Lucille. Non. Lucille. Malgré tes cheveux verts, je t'aimais tellement, Lucille. Excusez-moi, je suis un peu... Vous savez, ça fait une minute que je suis attaché à cette nana, et du coup, ça fait beaucoup quand même, une minute, c'est long. Alors... Oh mon dieu. Du coup, Kellyn est devenue bizarre, la personnalité a changé, il est devenu froid, et trop sur son travail... Il est devenu le chef, mais il ne s'est plus occupé de son enfant. Et c'est moi l'enfant, hein. Donc j'ai été envoyé vivre chez ma tante. 10 années ont passé.
Oh non! Oh, mais maintenant c'est ma tante qui va mal! Ah, heureusement, le professeur Ernest Bambo était en train de chercher un nouveau assistant. Bien sûr, Fifou et Tazo, ok? Là, 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 là. Bon, ça par contre, c'est normal. Ah! Fifou! Viens en bas! Oh! Fifou, t'es tellement beau. Regardez, j'ai une télé. Une Wii. Wow! Trop stylé la chambre! Regardez, il y a un lit. Ma grand-mère a une chambre. Wow! C'est plus beau que les villes de départ de. C'est magnifique, regardez, c'est mon layout autour de moi. Salut! Ah, tu t'en vas? Ah ouais, ok, tu me donnes un super bonbon comme ça, genre le mec, hop là, allez, c'est bon. C'est quoi ça? Chin chin. Hey, attends! Oh merde. Oh, c'est lui! Oh, il a la même coiffure que son père. Ah, oh, c'est chaud, franchement, ça. Je vais être le premier puissant. Non mais, j'étais avant toi déjà. Tu vas bien niquer ta race, s'il te plaît, cordialement. Fidrong. Oh putain, mais c'est ce prof me stresse. Ce prof me stresse. C'est le prof qui a le moins l'air de prof que tous les profs, de tous les profs. Ah, donne-moi mon Pokémon. Oui, on va t'aider. Blablabli bleu. Allez, c'est bon. Fifou. Tu ne vas pas hésiter à aller pour ce que tu veux. Ah oui. D'accord, ok, super, magnifique, je suis offensif, oui, mais en même temps. Ah d'accord, putain, il te donne. Ah mais moi j'ai pas choisi, moi je voulais pas Raptorche. Qu'est-ce que t'en sais que je voulais Raptorche? Ah mais j'aurais dû regarder à la couleur, oui, le rouge c'était le rouge. Ok, bon, c'est pas grave. On va l'appeler John Michon. John Michon, John Michon le Raptorche. Ah, John Michon. Bien sûr. John Michon, c'est cool comme nom. Qu'est-ce qu'il va lui donner du coup? Ah! Il est trop moche. En fait, je suis pas trop déçu, ça va. Regardez la tronche du truc, c'est un chat-pinceau. Ouais, mon premier Pokémon. Comment tu vas l'appeler, John Michon? Ah non! Oh là là. Théo, t'as vraiment une tête de paix, hein. Oh là là! On dirait les petits enfants qui t'emmerdent à la récré quand t'es petit. Oh, c'est tellement ça. Allez, John Michon! Wow, il est trop stylé, John Michon. Putain, le jeu est magnifique, hein. Trop stylé. C'est trop bien foutu. Wow! Je l'ai one shot! Théo! Pauvre Théo! En plus, il s'appelle Théo, c'est tout à fait l'enfant qui fait chier. Je suis désolé s'il y a des Théo. Non, en fait, je suis pas désolé, vous avez un nom de merde, mais après, c'est pas très grave. Salut! Oh oui, on va t'apprendre à capturer des Pokémon. Je ne savais pas comment capturer un Pokémon, dis donc. Bref. Au revoir! Théo, si tu me parles, je te casse la gueule. Oh putain. D'accord. Oui, super. Allez, adieu, adieu, voilà. Va-t'en, merci. Qui va être le premier Pokémon du coin? Il est trop mignon! Allez, John Michon! John Michon! Ok, on va faire le test de la griffure. Si tu tiens une griffure, je te capture. Oh, il a tenu! Ok, ça veut dire que c'est un bon Pokémon. Allez, c'est parti, chi. Shinmunk! Magnifique, magnifique! Wow! Allez, c'est parti! Putain, John Michon! Oh là là! Oui! Shinmunk! Comment on va l'appeler Shinmunk? Bien sûr qu'on va les appeler, bien sûr! Shinmunk, on va l'appeler Fulgence! Parce que il a la classe incarnée, tu vois. Il a un bon air. Oh, oui, regardez, il a tellement. Regardez, je vous fais l'imitation. Salut, moi je m'appelle Fulgence. Si tu veux être mon ami, je m'appelle Fulgence. Fulgence, quoi.
Waouh, c'est trop beau! C'est vraiment magnifique comme jeu. Ça faisait longtemps que j'avais pas trouvé un jeu aussi beau. Oh là là! C'est vraiment, vraiment bien fait. Hein. Oh là là! Est-ce que je vais trouver d'autres Pokémon? Moi, je veux savoir qui sera le deuxième membre de mon équipe. Il est trop stylé! Oh, il est trop beau! Oh, celui-là, je le prends dans mon équipe. Ça va être mon main. Il est trop stylé! Désolé, Fulgence, mais Birby est... Oh mon dieu, il est trop beau! Il a... Oh mon dieu, il me le faut. Vite! Vite! Oh, Birby, il est trop stylé! Normal vol. Oh, il est trop beau! Oui, je veux lui donner un surnom. On va l'appeler Michel Oiseau. C'est Michel Oiseau. Michel Oiseau. Trop bien, John Michon, Michel Oiseau et Fulgence. Oh là là, ça y est, j'ai déjà les meilleurs noms. Ah, ça y est. Premier combat. Ouais, Linette. Alors ça, par contre, je trouve ça moche comme Pokémon. D'accord. Hein. C'est vraiment très moche. Mais qu'est-ce qu'il est beau, John Michon. Oh là là. John Michon, il a vraiment la classe. Hein. Oh là là, il brûle tous les adversaires, c'est excellent ça. Du coup, je peux changer de Pokémon. Ah ouais, tu crois que Michel Oiseau peut tenir une attaque? Maintenant qu'il est brûlé. Ah, il va mourir. Michel Oiseau, tu peux le faire. Ah, le... Il a tenu le... Oh, Michel Oiseau, c'est bon, t'es mon Pokémon préféré de la vie. Il a quoi comme attaque? Il a Flash. La flash. Allez, John Michon. Reviens. Oh là, mais laisse tomber, mais Fulgence. Fulgence, je vais pas l'utiliser, je pense. John Michon. Le combo John Michon plus Michel Oiseau, c'est trop vénère. Bravo, Linette. T'as perdu. C'est moi, évidemment. Niveau 4. Il a appris... Oh là là, j'ai appris rugissement. Fin du game. J'ai appris rugissement. J'ai trouvé une Pokéball. Un antidote. C'est fini. C'est fini. Y'a plus rien à dire. Y'a plus rien à faire. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, c'est moche. Cubug. Ah, il est laid. Il est laid, ce Pokémon. Mais c'est un insecte, c'est un ours insecte. Ah mais c'est... c'est une chenille insecte. Mais c'est trop horrible. Alors ça, je suis désolé les mecs, mais je ne... Voilà. A few moments later. Voilà, allez, John Michon. Et Michel Oiseau, son niveau 8. Et on va pouvoir continuer la suite de la route. Hey, toi, tu veux te battre? Oui. Ah bah voilà. Mais je l'ai déjà vu ton Pokémon. Il me fait plus peur là. Ton petit Cubug. Cubug quoi. Respectez un peu les Pokémon. Hein. Cubug, c'est un peu triste hein, comme nom. Mais bon, allons-y. T'as que ça? Le mec, il a que des Cubug dans son équipe. S'il vous plaît. Merci. Allez, casse-toi. Waouh, c'est trop mignon. C'est vraiment beau comme jeu. J'arrête pas de le dire, mais je suis d'accord avec moi pour dire que c'est vraiment très beau comme jeu. Allez, fort. Oh, un petit alligator. Ah ouais, mais je vais me faire défoncer s'il me fait une attaque de type... C'est moi ou il a le... Pourquoi c'est pas super efficace? Oh, je suis type sol, je crois. D'accord. J'ai un Pokémon de type feu sol. Oh, mais c'est original. Du coup, j'ai une double faiblesse. Oh, ça, c'est emmerdant, par contre. Heureusement, il a pas d'attaque de type eau pour l'instant, ce truc. Et il m'a pas empoisonné, j'ai de la chance. Hop. Fortog. Oui, regardez, il a le même cri que Kaiminus.
Et alors? On n'est pas capable de faire ses propres cris? Non, pas les. Pas, je prends pas ton numéro. Hein. Kevlar Town. La ville du Kevlar. La ville du gilet pare-balles, évidemment. C'est bien connu. Allez. Ouais. Il n'y avait pas grand chose dans cette ville, donc on va s'en aller. Allez, c'est parti. Ah, Birby. J'aime beaucoup ce Pokémon. Je l'ai déjà dit 100 fois, mais... Et il est vraiment trop cool comme Pokémon. Je me demande à quoi ressemble son évolution. Je suis pas du tout allé voir les évolutions, les Pokédex et tout. Je veux garder la surprise des Pokémon et tout. Je vous conseille de faire la même. Hein. Si vous découvrez le jeu avec moi, ce sera plus drôle. Ah, il est niveau 6. Oh là 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 là, ça monte vite en niveau. Hein. Dire que moi j'ai dû les entraîner pendant 20 minutes. Oh le Flame Body. Et ça par contre c'est vraiment fort. Hein. Pour les combats longs ça va être super fort. Hein. Niveau 10. Ah, c'est quand qu'il apprend une nouvelle attaque lui? Oh, il m'attaque de là lui. Est-ce que tu es assez fort? Oh non, c'est une grotte! Oh non, j'aime pas les grottes! Oh là, toi, t'étais mort par contre. Allez, Michel Oiseau. C'est pas le premier Pokémon normal qu'on voit? Si, je crois. Hein. Je crois que c'est le premier Pokémon du jeu de base qu'on voit. Hein. Ferro-singe. Eh, mais d'accord, mais en fait, ça veut rien dire le truc, je crois. Il doit être de type acier lui ou de roche. On va voir les dégâts. Alors je crois qu'il est il est au moins de type acier, voire de type acier roche là, parce que voilà les dégâts qu'il a pris. On va voir avec John Michon. En fait ça va être simple. Si Flamèche inflige des dégâts neutres, ça veut dire qu'il est acier roche. Et si c'est super efficace, ça veut dire qu'il est acier. Et si c'est pas super efficace, ça veut dire que c'est... Non, d'accord, il est acier roche. Si ça avait fait... ce n'est pas très efficace, ça aurait été un type roche. Donc voilà, au moins maintenant on sait. Ah oui, d'accord, mais ça va être super relou à gérer ça. La cave passage... Oh non, pas de Nosferapti, s'il te plaît. Ah! C'est un Nosferapti version jeu normal, nouveau jeu. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je vais le capturer. Hein. Oh putain. Pitié, non. C'est un Nosferapti, c'est une sorte de Nosferapti, mon dieu. Il m'a empoisonné, il m'a déjà empoisonné quoi. Je sais comment je vais l'appeler. Un poison. Un poison, je sais comment on va l'appeler. Il est type poison pur. Lui, on va l'appeler Hugo Posé. Hugo Posé, comme ça, il n'y a pas les... comme ça, j'ai pas de problème avec les... Avec les copyrights. Je déteste les grottes. Je déteste les grottes. Bon, je m'enfuis. Grozard, il est trop beau lui. Il le faut. Hop. Critical. On va l'appeler Ténia. Non. C'est sale, faut pas appeler un Pokémon Ténia. Oh, j'ai plus de Pokéball après ça. Allez, 1, 2, 3. Mais salaud! Mais non, je peux plus le capturer, j'ai plus de Pokéball! Bah, tu sais quoi, crève? Je m'en fous. J'ai plus besoin de toi dans mon équipe, voilà. Ça m'évitera à avoir à penser à un nom. Oh là là, la déception, dis donc. Tous les deux pas, hein. Vraiment tous les deux pas. Hein. Il va me poisonner. Non, il
va me poisonner, je vais pas... Bachono, c'est nouveau ça. C'est un mouton guerrier. C'est un mouton combat. C'est un mouton guerrier. J'adore ce jeu, putain. Un mouton, c'est un mouton guerrier. Oh là 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 là. Alors ça. On m'avait dit que j'adorais le jeu, mais je pensais pas que les Pokémon étaient aussi rigolos. Ouais, Landau Touch City. C'est beau ici. Bonjour, je suis le Greeter, d'accord. Tu es là pour Maria. Je suis... Elle est jamais là, c'est son plus grand fan. Ah, m'a donné... Il a fait des copies. Ah, c'est son plus grand fan, il a fait des copies de son... de sa maison. Mais c'est dégueulasse. Merde. J'ai utilisé la clé de Maria, je me suis... Oh, elle dormait. Oh là là, excuse-moi Maria, je voulais pas, j'ai pas eu le choix. Qu'est-ce que tu fous chez moi? Tu ne peux pas rentrer, oui, c'est ça. C'est la clé du... La clé du fan. Oh là 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 là. T'es pas un fan? Oui, tu veux un gym? Ok. Voilà. Ok, c'est bon. Je vais la retrouver hors de son arène. Bon allez, c'est parti pour l'arène. L'arène des abeilles. Allez. Oh oh oh. Je ne suis plus le champion. Je suis le... Ah oui, bah oui, parce que c'était le champion. Mais oui, mais alors elle va me défoncer. Elle a battu la ligue. Ils m'ont dit tout à l'heure qu'ils avaient battu la ligue. J'appelle les rangers. Je te laisse. Good. Allez, casse-toi. Bah oui, putain, il fait faire des fausses clés, quoi. Oh là là. Bah oui, quand tu gagnes. Bah oui. Allez, c'est parti. Donc du coup, elle va me sortir des Pokémon de merde, c'est ça? Bah sûr. Allez, type normal. C'est parti. Arène numéro 1, let's go. Oh, il a fait tomber son cartable. Oula, niveau 8. Ça va, niveau 8. Allez, John Michon est là. John Michon est dans la place. Amber. Ça va être très fort. Bah voilà, justement, je disais son corps ardent là, ça va être super fort contre ça parce que du coup. Mais il veut pas prendre une nouvelle attaque. Ça va être super fort, je disais, parce que les attaques de type normal, surtout au début du jeu, c'est souvent des attaques de contact. Du coup, je vais pouvoir brûler et diviser l'attaque par deux des adversaires. Ou brûler avec Flamèche. Donc ça c'est vachement bien, je suis très content. Le pauvre. Oh non. Oh là, mais il a masse Pokémon. Niveau 9 maintenant. Aïe. Oh, Oh, c'est un Pokémon électrique. Ah, il doit évoluer en Pokémon électrique alors s'il a accès à charge. Mais en même temps, il a un look de Pikachu, de Ratatachou. Un peu. Et un petit côté Ratatachou. Donc ça m'étonnerait pas qu'il évolue dans une sorte de Pokémon électrique. Là, j'avais regardé, il était de type, normal. Tu as du potentiel. Ouais. C'est ce que disait ta mère. La 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 la. Ouais, pète-la toi. Allez, let's go. Je suis prêt à te défoncer. Allez, c'est parti. Ah, la tronche qu'elle a. Oh putain. Outen. Allez, John Michon. J'ai un peu entraîné mes Pokémon, tout va bien. Tout va bien, tout va le faire. J'ai appris une nouvelle attaque aussi. La brûlure. Pas la brûlure. Critique, évidemment. Mon dieu, les dégâts. Ça triche toujours, hein. Ça triche toujours, hein. Allez, c'est bon. Défoncer. Bien sûr. Feleng. C'est qui ça? Oui, c'est Ticha. Intimidation.
Je peux baisser sa précision, mais je sais pas si c'est très rentable. Non, c'est pas très rentable, allez hop. Un corbeillement, incroyable. On va laisser mourir Hugo Posé. Ah, Hugo Posé, tu es mon sacrifice. Voilà. Elle est cool la musique. La musique est vraiment cool. Ah, la musique de la reine. Merde. Allez, voilà. Crame, mec. Et c'est qui le dernier? Felunge. J'ai jamais vu ça, Felunge. Ah, c'est l'évolution de... C'est l'évolution de l'autre. Allez. Oh là là, il essaye encore de m'endormir. Ça se fait pas, hein. Ça se fait pas, là. Ils essayent de m'endormir tout le temps, là. Allez, scratch. Oh mon dieu, les dégâts. Tiens le coup. Oui, il a tenu. C'est bon, je vais l'avoir. Un point de vie. C'est bon, elle a pas essayé de se soigner. Elle a déjà utilisé sa potion tout à l'heure. Ok, tant que je tiens une attaque, c'est bon. Allez, John Michon, let's go. Ouais, c'est bon, easy. Coup critique que je tiens et je le brûle. John Michon attaque griffe. Et voilà, easy. Niveau 14. Eh, hey, je vais peut-être évoluer. Non. Ouais. Oh, retour, ça c'est fort ça. Pouvoir la prendre. Bon bah voilà, écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est super, en tout cas ce jeu, ça part super bien. J'espère que ça vous a plu. À partir de la semaine prochaine, ne ratez pas, hein, vous allez avoir là dans les commentaires un sondage. Enfin, dans la description, enfin, je ne sais pas encore comment ce sera mis en place, mais en tout cas, n'hésitez pas à voter pour le défi de la semaine prochaine. Évidemment, c'est encore une fois un let's play interactif. Donc, voilà. Et puis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Vous pouvez aussi aller vous abonner à la chaîne Pokémon Trash ou à ma chaîne si vous voulez voir plus de choses de moi. Et puis, en attendant la prochaine, moi, je vous dis tchuss.